Salam alaikum. In this session, we are very pleased to present Professor Gharbi Hassan. Professor Gharbi Hassan, he is a very important professor in endocrinology, and his topic will be very important for aspect for Islamic aspects in general. And he has two topics, the endocrinology and Islamic aspect in general. Thank you very much, Professor Gharbi, to attend for this meeting. And Professor Gharbi is imam for our mosque, and he speak the first. Thank you. Vous et de vous retenir un sujet qui nous tous à cœur. Je voudrais aussi féliciter pour la qualité de son organisation et la qualité de son travail, le travail qu'il fournit et des efforts qui nous fournissent le diabète et la lutte contre le diabète. Merci, Jamal. Le sujet que je vais traité devant vous et s'intitule, comme vous le voyez, diabète sucre type 2, optimisation du traitement unique chez qui et quand. Alors, il va sans dire que tout le monde ne peut pas tout poser qui sont plus ou moins associés. La résistance périphérique à l'insuline et la carence relative en cette insuline. Et en même temps, on assiste à des troubles de la sensibilité de la cellule alpha au glucose, ce qui entraîne une hypergonadie sur la voie des insulines. Tout cela a entraîné un certain nombre d'anomalies, en particulier au moment des repas. Je voudrais insister sur la notion de repas, parce que finalement, même si on doit parler d'insulinothérapie dans le diabète de type 2, il faut garder à l'esprit que le véritable traitement du diabète de type 2, ce sont les mesures hygiéno-diététiques et le respect, même si certains n'aiment pas ce terme-là, le respect d'un régime alimentaire bien particulier. Donc au moment du repas, on va assister à une diminution de la phase précoce de l'insulinosécrétion, une diminution de ce qui va engendrer une hyperglycémie postprandiale. Et pendant la nuit, quand on ne va pas manger, on va assister à une augmentation de la néoglucogénèse hépatique, une élévation de la glycémie à jeun et une augmentation de la production endogène de glucose. Tout cela, si vous le voyez bien, va entraîner une hyperglycémie permanente comme cela s'affiche. Alors, quel est l'intérêt de le diabète de chercher à ce diabète, quelles sont les raisons de la sensation de la fille qui le rend intéressant à l'étude et qui ouvre un certain nombre d'horizons de type 2 pour et bien l'évolution naturelle qui suscite non pas de la déception, mais qui suscite plutôt de l'espoir, parce que vu la complexité de la physiopathologie, cela va ouvrir la porte à un certain nombre d'alternatives thérapeutiques. C'est ce à quoi nous assistons, et donc c'est l'espoir que nous avons de voir un jour nous la guérison de la. Alors, le diabète de type 2 est par définition une caractérise par l'équilibre de la glycémie. Qu'en est-il chez nous et dans les autres pays? Alors, si on se réfère à cette étude, l'IDMPS 5, la session 5, qui a été faite à plusieurs niveaux, on constate qu'au Maroc, le nombre de
patients en déséquilibre métabolique sont très, 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 très nombreux. Presque 75%, les trois quarts, ont une hémoglobine glycée supérieure à 7%. Ceci est aussi vrai dans les autres pays, mais à moindre fréquence. Alors, je reviens sur cette notion de régime alimentaire, cette notion de mesure hygiénodiététique. Il ne faut pas oublier, même si je suis censé parler aujourd'hui de l'insulinothérapie, je ne manquerai pas d'insister, de réinsister sur l'importance de ces mesures hygiénodiététiques. Elles nous réservent un meilleur rapport efficacité-sécurité, et donc, c'est 80% du traitement finalement. Comme le disait tout à l'heure au cours d'une discussion avec le professeur Jaffiol, qui est ici là présent, les mesures hygiénodiététiques constituent 80% du traitement. Alors ces mesures hygiénodiététiques sont représentées par une prise en charge nutritionnelle correcte et une activité physique bien menée. Tout cela va permettre une efficacité meilleure dans la prévention, mais également une indication de ces mesures hygiénodiététiques dans tous les types de diabète et à tous les stades. Sauf que très souvent, nous sommes confrontés à un problème d'observance, et ce problème d'observance va entraîner un déséquilibre plus important, et ce déséquilibre va se détériorer encore plus avec le temps, et on va assister à la genèse et à l'apparition des complications. Donc, nous sommes très souvent confrontés à l'obligation de prescrire des médicaments. Les tendances actuelles, je ne vais pas vous les apprendre. Toutes les recommandations sont d'accord pour mettre la metformine, qui reste le traitement incontournable au tout début et qui va être associé avec tout type de médicaments. Ces recommandations sont représentées dans ce tableau qui est illisible, à mon goût. Bon, c'est pour ça qu'on va le détailler un petit peu pour qu'on y voit plus clair. Voici comment je le détaille. Les antihyperglycémiants chez les diabétiques type 2 adultes, on commence au moment diagnostique, on initie encore une fois les mesures hygiénodiététiques, on établit un objectif HbA1c, puis on entame un traitement médicamenteux selon cet HbA1c. Et cela va se décliner en trois rubriques. Si l'HbA1c est inférieur à 9%, on commence par une monothérapie. Si elle est supérieure à 9%, on va à la bithérapie. Et si c'est encore plus déséquilibré, on peut envisager une situation d'alternative thérapie. Nous allons en parler dans les minutes qui viennent. Alors, en ce qui concerne la monothérapie, je ne vous apprends rien. C'est les détails du schéma que vous avez, le schéma illisible. Alors, les mesures hygiénodiététiques, toujours, bien sûr. Ensuite, on va initier la metformine s'il n'y a pas de contre-indication. Et les contre-indications sont bien connues, je ne vais pas y revenir. Et après 3 mois, on fait une évaluation. Si nous sommes aux objectifs, on continue notre surveillance. Sinon, eh bien, on vérifie si le patient respecte réellement les mesures hygiénodiététiques et la prise thérapeutique. Et si tout va bien, s'il n'y a pas d'anomalie, on va vers l'escalade thérapeutique. Alors cette escalade thérapeutique peut être représentée par la bithérapie. Maintenant, il y a la notion de présence ou non de maladies cardiovasculaires que vous connaissez et qui va présider au choix du traitement que l'on va ajouter dans notre escalade thérapeutique. Est-ce qu'on va mettre des sulfamides ou est-ce qu'on va mettre des inhibiteurs des DPP4 ou est-ce qu'on va mettre des analogues du GLP1, etc. ou des inhibiteurs du SGLT2. Et donc, on va passer à la trithérapie si on n'arrive pas à de bons résultats, toujours dans les mêmes conditions. Et ce qui nous intéresse le plus pour cette intervention, c'est l'ajout d'un traitement injectable. Ce traitement injectable peut être soit aujourd'hui le liraglutide ou assimilé, c'est-à-dire un analogue du GLP1, soit l'insuline. Alors, pourquoi l'insuline ? L'insuline, on peut l'indiquer dans les infections intercurrentes, je ne vous apprends rien, c'est seulement un rappel.
Elle va nous permettre d'obtenir un meilleur contrôle glycémique, ne serait-ce que sur une courte période, le temps de rétablir la situation chez le patient. Et elle va nous permettre aussi de limiter le risque de complications dégénératives. Alors, tout le monde connaît la mémoire glycémique. Plus on atteint un équilibre précocement chez le patient, et mieux ça sera répercuté dans le temps. Et donc, comment cette insuline va permettre d'arriver à ce résultat? Malgré le retour, selon l'étude UKPDS et le post-UKPDS, tout le monde sait maintenant que malgré le retour au déséquilibre après la fin de l'étude, il y a une persistance de la protection vis-à-vis des complications microvasculaires et d'autres complications. Le groupe de travail qui a été créé à la suite de cette constatation a émis un certain nombre de recommandations. Et nous avons d'autres arguments qui vont conforter notre choix de l'insuline, des arguments thérapeutiques, physiopathologiques et scientifiques. L'intensification thérapeutique est devenue une méthode souvent bien défendue par les différents intervenants dans la prise en charge du diabète. Alors maintenant, la question qui se pose à nous, c'est quelle insuline utiliser quand on veut introduire l'insuline chez le diabétique de type 2. Il y a une grande discussion à ce sujet et l'étude IMDPS, IDMPS 5 a fait la comparaison entre l'insuline basale et les Premix, et vous constatez avec moi que l'insuline basale permettrait un meilleur équilibre que les prémixés. Maintenant, on constate que même avec l'insuline basale, l'équilibre n'est pas très, très, très intéressant et que 27% uniquement sont bien équilibrés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il y a une nécessité d'une bonne optimisation et d'une bonne intensification de l'insuline basale utilisée. Il vaut mieux commencer avec quelque chose qui donne un tout petit peu un meilleur résultat que de commencer avec quelque chose qui ne donne pas du tout de résultat, quoique les résultats ne sont pas très très différents. Alors le concept de l'insuline basale se présente comme suit. Ce schéma date quand même de 1995, c'est 23 ans, mais c'était l'époque où l'insuline basale a fait son entrée et surtout les analogues de l'insuline basale. Et donc, le concept est comme suit. On va essayer de baisser la courbe générale de la glycémie vers de meilleurs chiffres glycémiques, faire baisser la courbe de glycémie au cours de la journée. Pour y réussir, il faut bien titrer l'insuline afin de maintenir la glycémie à jeun autour de 1 g. Une fois que vous avez une glycémie à jeun autour de 1 g, les glycémies postprandiales, théoriquement, vont suivre. Alors ici aussi, il y a un autre schéma illisible que nous retrouvons dans les recommandations de l'ADA 2015, puis 2017 et 2018. Ce schéma, nous allons le décortiquer, si vous le voulez bien. Comment allons entamer et ajuster l'insuline chez le diabétique de type 2 ? On va initier l'insuline basale de la manière suivante. On va débuter toujours à minima. Et je voudrais insister sur ce terme de à minima. On ne commence jamais par de grosses doses. Il faut toujours des posologies très très basses et aller crescendo si jamais on en a besoin. Parce que l'insulinothérapie n'est pas le traitement naturel du diabète de type 2. Si on initie et on n'arrive pas à un bon résultat, à ce moment-là, on passe à un autre traitement injectable qui est le GLP-1 ou les analogues du GLP-1 ou on va intensifier. On va intensifier de deux manières différentes. Soit qu'on va faire le choix de l'insuline prémixée et c'est ce qui a tendance à être cité au même titre que l'insuline basale. On va y revenir. Soit qu'on va aller vers l'insuline rapide avant le repas le plus calorique. Et là, je vais y revenir tout à l'heure dans ma démonstration pour en faire plus de ce côté-là, puisque c'est ce que je suis censé défendre aujourd'hui.
Alors, quel schéma allons-nous privilégier? Ben, d'emblée, je vais dresser les avantages de la bedtime, de l'insuline basale au coucher, et vous dire qu'elle permet de freiner la lipolyse, elle a plusieurs avantages, elle freine la lipolyse nocturne, et cela va permettre d'améliorer la glycémie à jeun au réveil, favoriser l'action des antidiabétiques oraux qui sont éventuellement associés à l'insuline, et elle a moins d'effets en cours de journée, et donc elle va donner moins d'hypoglycémie que les prémixés. C'est ce qui va se vérifier sur les différentes études. Parfois, on commence par la NPH comme insuline basale, mais il est intéressant d'aller vers une basale plus intéressante qui est la glargine. Et voilà la manière avec laquelle on peut passer de une NPH une fois par jour ou deux NPH par jour. Et vous avez les correspondances. Le principe d'ajustement est d'éviter toute hypoglycémie, normaliser les glycémies du matin et normaliser les glycémies élevées du reste de la journée. Qu'en est-il des prémixés? Il faut bien quand même dire un mot des prémixés pour ne pas paraître totalement du côté de la basale, parce que finalement, sur le plan de l'équilibre, les deux schémas se valent, et il y a quelques petites différences. On va essayer de voir... on va essayer de voir quels sont les petits avantages des unes et des autres. Qu'en est-il des prémixés? Ben, sur le plan de l'équilibre, c'est presque la même chose, mais il y a une différence au niveau des fréquences des hypoglycémies et de la prise de poids. Alors, pour départager les deux, on va aller un petit peu plus vite. Pour départager les deux, il y a une étude qui a été commanditée en 2013 par un industriel pharmaceutique et qui a comparé les deux, les prémix versus basal thérapie plus ou moins bolus. Elle a concerné 582 patients qui étaient tous ou presque déséquilibrés, et elle a divisé les patients en trois groupes. Sur les résultats, il y a eu des sorties de route et tous les groupes ont atteint un bon équilibre. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais en termes d'HbA1c, il y a une non-infériorité significative du basal versus prémix. Et en termes d'hypoglycémie, les hypoglycémies sont plus fréquentes dans le groupe prémix. En termes de posologie d'insuline, le groupe basal a besoin de moins d'unités d'insuline que le groupe prémix. Et donc, il coûterait un petit peu moins cher, mais ça, c'est de la philosophie plus qu'autre chose. En termes de gain pondéral, encore une fois, nous avons une supériorité de l'insuline basale. Alors, la conclusion des auteurs de cette étude, c'est que l'insuline basale associée à une seule injection prandiale d'insuline rapide est au moins aussi efficace pour rétablir l'équilibre glycémique. Et le basal bolus complet est plus efficace que les insulines prémixées. Et le schéma basal plus permet d'obtenir un équilibre similaire à celui des prémixés, mais avec moins d'hypoglycémie et une prise pondérale inférieure. Alors tout cela, c'est bien. Ça donne un petit peu l'avantage à l'insuline basale. Mais cette insuline basale dont nous vantons les avantages aujourd'hui, il arrive qu'elle ne suffise plus ou pas. Et donc, on va passer de l'optimisation à l'intensification. Et que se passe-t-il quand on ajoute un bolus d'insuline rapide, au-delà de l'insuline basale? Ben, il y a eu d'autres études, l'étude OPAL qui a été commanditée toujours par le même industriel pharmaceutique et qui a essayé de comparer trois groupes. L'insuline basale avec une injection en plus d'insuline rapide analogue à différents moments de la journée. Et vous constatez qu'à chaque fois qu'on donne une petite injection, un bolus d'insuline rapide analogue, on assiste à une baisse des glycémies juste après cette injection, c'est-à-dire juste après le repas qui est pris après cette injection, au petit déjeuner. Au déjeuner, même chose, ce sont des actions ponctuelles au dîner. Et peut-être qu'au dîner, c'est le meilleur résultat que nous obtenons sur cette étude. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? On va rester sur le basal uniquement ou on va aller vers le basal bolus?
Alors, on peut aller vers le basal bolus quand nous avons un déséquilibre au niveau, à un certain moment de la journée, bien déterminé. En cas d'insuffisance de l'insuline basale seule, est-ce qu'on peut aller vers le basal bolus complet ou aller crescendo, basal bolus 1, basal bolus 2, basal bolus 3? Alors, une autre étude va nous essayer de départager les choses. C'est l'étude 1, 2, 3. Qui a comparé l'insuline basale avec ajout d'une, deux ou trois doses quotidiennes d'insuline rapide. Là aussi, c'est 100 patients environ qui sont déséquilibrés avec une hémoglobine glycée supérieure à 8% et qui ont reçu de la glargine et qui vont recevoir de la gluglysine une ou deux ou trois injections. Alors, les résultats, pour ne pas faire trop long, l'insuffisance de l'insuline rapide par des injections d'insuline prandiale à le contrôle glycémique, nous l'avons vu dans des études opales, et la stratégie basale est associée à une incidence. Et là, il vaut mieux créer d'eau plutôt que d'aller d'emblée les trois injections d'insuline en prandiale. Et ça s'appelle aussi. I think we'll postpone the discussions till the end of the three presentations. So please. Morse Arab, and I'm the former vice president. I'd like to thank you for the kind of this wonderful event. Thank you very much. Now, to introduce the speaker, the speaker is our the chairman of our region, the MENA region, Professor Abdul Basit. Professor Abdul Basit is a very well-informed academic scientist. He's very well informed about diabetes, and I believe that he is a very high caliber scientific person. At the same time, he is also a very high caliber in administrative aspects, and this is why he has been very professionally elected as our chairman in the region. And this is why when he speaks about the MENA roadmap, he is going to tell us something which he knows very well. Professor Abdul Basit. Good morning, assalamu alaikum. Thank you, Professor Musiada, for your kind words. All what we are doing in the MENA region are all your trainees, or you know, mentors are you and Samad. And I would like to first of all thank Jamal Bilkadir and his team for such a wonderful organization, for inviting me. And we are proud to be here. Again, my topic, as it said, is MENA roadmap for better diabetes care. So I'll be talking about MENA region per se. It's problem here, changing the slide. Yep, hang on. Right. This is a bit of complicated picture, that's why I've done a bit of animation in it. The center will come in the last. This is IDF, Global Voice of Diabetes. This document I was introduced by my president, Professor Nam Chu. And what we did then is try to replicate the same model for IDF MENA care. So all activities which are labeled here, I'll go each by heading. So for example, we start with what are we doing as regards prevention and access of diabetes care in our region. We have got very active
associations in our region which are working for prevention of diabetes, just to name a few, like Saudi Arabia, Algeria. In Sudan, they have got a tremendous program, especially of prevention of blindness, and they train optometrists, and they've got mobile eye clinics, and I have always, always have high regard for Professor Al-Toum, and I'm sure he must be sometime sharing his project for prevention of blindness. We in Pakistan have been pioneering prevention of amputations. So we have got a network of 115 diabetic foot clinics, which we are planning to extend to around 600 clinics in the next 2 years. And in these 115 clinics, the amputation rate have already halved by the grace of Allah. But now we are using a pan-Pakistan model, and I suppose many of people in our MENA region can use it. We have developed a national advisory diabetic foot board, and this meets Wednesday. And so this is a virtual meeting. On cloud, on WhatsApp, on Skype, you share your complicated diabetic foot cases, and we advise from Karachi, the board sitting here, Pan Pakistan, and we are going to assess and present shortly the reduction in amputation rate only by a virtual board meeting. Then we have started to say, and this is again pertinent to many countries in our region, that one is reduction of amputation, but more important is reduction of the ulcers. Courtesy of word. To price on $100, developing in Pakistan, the shoe make the pressure in Pakistan. Published it regarding me to the many who work, especially in Ghana. I wish we are going about diabetes in Jasab. Many are with the diabetic foot program. Second, education, and we are diabetes education is an important stone for management in Europe. The famous or the old and well-known Al-Bawasir and Yemen, friend who could not meet this watch because of his issues. Zaid is working on diabetes. We start diploma in diabetes education and the award, and we have got a network of these people, and we are at the center of next. In the past, when there were in 2009 only 6 centers of diabetes education, we were proud to be part of it, and then 8, and now as IDF has willingly launched a program that each member association or each country may have a center of education, so we are proud to be part of it. This is the educational activities, and as my previous speaker was emphasizing on lifestyle changes and diet as the cornerstone, we are now thinking of and looking for we do healthy cooking. We have a book which tells I follow the same taste what with the nation and the taste buds are used to it. Next is epidemiology, a very important and pertinent issue, especially in our region. We have done this survey, which is National Diabetes Survey with the collaboration of Ministry and Pakistan Health Research Council. Only on 3rd of July, which is accepted for publication in British Medical Journal. And the numbers are very high, unfortunately. So newly diagnosed diabetes, 7.1%. Non-diabetes, 19.2%. Overall diabetes, 26.3%. And if you would balance diabetes with the nation is
4% glycemic regulation. Now, on one hand, these numbers are surprising. Many people in the hall may be saying that high numbers in any other area or country, etc. My reply to this is that we need real, proper epidemiological surveys in each of the country, basically. Ours is a very strong methodology, best methodology, which IDF Atlas Committee is a. There are five ways of doing screening. Best is still the OTT we have done, and compared it with HCV we have already done. 10,800 plus people have truly representative urban poor communities. So, these numbers are in a second to mean. And hear about the champions and this ends world streaming the meeting and of the session is locked them and they many information the thing was small has gotten the full of advocacy and we all need to learn from successful models in our vegetarian is something, it's depth, more of insulin, and then 40 million population. So I was just talking to my Libyan friend Suleiman. He's got 7 million population. And now our province of Sindh only, one province after four, 40 million population. We have started this project, which is called Insulin My Life, with the collaboration of WDF to start with. But now we have got donors and philanthropy sustaining the project for the last 10 years. And here I'd like to say that any project we plan, or any idea we get, the proposal shall be such that it shall include a column on sustainability. Unless we are making the project sustainable, long-running, continuity, cross-financing, we lose the spirit and we lose one way or the other. So we are proud to say that this is a sustainable project going on for the last 10 years. We got international recognition for it. Palestine, as I said, and I like the attention of Professor Gaza in the we are trying to throw help as well. Many other colleagues already received message who could not make it to come here, that still in Gaza we are unable to provide insulin for our type 1. This is a WDF agreement which was signed by Nizar and me, myself as the chair. WDF has agreed to fund for the refugees in Lebanon. The office agreed to and hopefully to get the symposium. Japan in 2019 named disaster and what we had on a man-made disaster. One is disaster, but we struggling in our region and keep saying man-made. So we need to do the end, and I wish some of the would attend this diabetes and disaster symposium, especially people like Nizar Al-Bash, those who are in the disaster committee themselves, they should make a point to be in Japan next year to attend the meeting. There is a development committee which is led by
Andrew Bolton and seven regional chairs are committee members. We need three colleagues from each region, including MENA region, to help the regional activities, and we can decide tomorrow in the regional council meeting. Yesterday, as I said, in Cairo, there was a presentation on WHO medicine. Now, very exciting prospect for me, and I understand that you bought this as a kit management. This some I have colleagues do propose from 10,000 people for 3 months is change. And it's 1.5 and then for 3 months. As regards policy, we have taken a lead in the sense that some registry. Now this registry is very helpful. We had many associations not paying the head, and again we are to say that in some history in Pakistan the digital point I know Salema from we will be interested talk to me about it. So the regional panel, I'm very grateful for Samu Sierra for years that he council meeting chair all of us to have action plans, regional plan, and so this plan committee made timetable for 2016-2020 with the objective that diabetes in all countries should lay down and then ensure the off and stuff. One development in this regard has been development of the whole and is since all the committee is here. Now was a part of it, so was Kamis Salama who got me the Hassanain Hissa and I had the pleasure to be facilitator and Ashar coordinator. Again, Ashar could not make it for this meeting. So this guideline is now there. It's effective and then went in the room and then 2016 and analyzed and update is that it being this week and on to publish it recently. We have enough guidance for blood monitoring. Again, customized for our low cost setting. To for another to having this assessment and Pakistan invited already can make a document for the message of every the
and also especially the population of V is 26%, so we are against for 4 million diabetic population all whatsoever. No industry can escape that they don't have no diabetes. I mean to by name that there is a success story with pinning, in fact, not only told, but a complete story where to share with it. And I in MENA region, because MENA is a very diverse region. So you have poor people like me from Pakistan. So when I say Pakistan, you know, and again, to say pump money in a project which doesn't work after 3 years. We shall be a cross-financing model that we shall have projects in our region. We need gestational diabetes, we need for partnerships that all present in this particular subject. In fact, I'll watch all the CHT is there. Thank you. I have a question. Our third speaker is Barakel from local, and he'll be talking about preliminary results of the stepwise survey on NCD risk factors. Where is he? Is he not here? I'm thinking about cardiovascular risk factors. Oh, so you're going for we want fourth one, so third one is missing the again. Next one, yes. Actor is not here. No, not actor. The Barakel is not here. From about, we are supposed to have Barakel, right. Barakel is not here, so. So, yeah, we'll skip the third one then. So we'll go with Dr. Charabi with the management of cardiovascular risk. Thank you, Mr. Chairman. Je voudrais d'abord remercier le professeur Belkhadev pour son invitation à participer à votre réunion. Je crois que les diabétologues et les cardiologues sont ceux qui sont le plus intéressés par le risque cardiovasculaire. Et donc, je n'ai pas la prétention de vous apprendre des choses nouvelles, mais plutôt d'essayer de partager avec vous un regard différent sur la prise en charge du risque cardiovasculaire. Alors, je vais surtout parler de prévention. La prévention, vous la connaissez. Tous les médecins font de la prévention tertiaire. Nous recevons des malades, nous faisons le diagnostic et nous donnons des traitements qui ont pour but de stabiliser la pathologie et de prévenir les complications. Certains bons médecins font de la prévention secondaire, ça veut dire qu'ils anticipent les complications à venir. Et quant à ce qui concerne la prévention primaire, ça ne relève pas habituellement du médecin dans son cabinet de travail. Ça relève davantage des autorités de santé publique que de la pratique quotidienne. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, la prévention individuelle, nous la faisons au cabinet dans la relation
patient-médecin. Nous lui expliquons un certain nombre de choses, mais étant donné la densité des gens que nous soignons et la file d'attente habituelle, nous passons très vite sur le volet prévention et conseil hygiéno-diététique, etc. Et donc, je ne rajoute pas quelque chose de spécial en vous disant que généralement le résultat est plutôt mauvais. La prévention collective, c'est ce que devrait faire l'État, puisque la prévention est beaucoup moins coûteuse que le soin. Malheureusement, on constate dans la plupart des pays que la prévention est le parent pauvre. Et en ce qui concerne le Maroc, par exemple, le budget du ministère de la Santé en ce qui concerne la prévention est de 2% du budget global, ce qui est très faible et qui ne permet pas d'avoir des actions soutenues dans le temps. Alors, la prévention primordiale, ce serait l'idéal. Ça veut dire d'inculquer aux gens un mode de vie sain qui prévient la survenue de la maladie. Malheureusement, dans la société de consommation que nous vivons, société de fast-food, société de médias qui encouragent la sédentarité, la plupart des références que nous préconisons en tant que médecins sont oubliées. Alors, je passe aux facteurs de risque. Et là aussi, c'est des choses que vous connaissez très bien, des facteurs de risque non modifiables, des facteurs de risque modifiables sur lesquels nous pouvons agir, telle la nutrition, l'obésité, la sédentarité, etc. À côté de ça, il y a des pathologies associées. L'hypertension ou le diabète sont des pathologies, mais sont aussi des facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, nous devons les prendre en charge dans le cadre de la prévention du risque cardiovasculaire. Nous avons des marqueurs de risque qui permettent, dans les cas difficiles, d'essayer de trouver des marqueurs précliniques, ça veut dire avant l'arrivée. Tout à l'heure, le professeur Alami a parlé du score calcique. À côté de ça, il y a d'autres facteurs que nous pouvons utiliser. Alors, il y a bien sûr beaucoup de données qui parlent d'imagerie, qui parlent de recherche biologique de pointe, mais on oublie des choses élémentaires comme le rapport taille-hanche. C'est une enquête qui avait été faite par le ministère de la Santé marocain en l'an 2000. Et parmi les paramètres que nous avons sortis, c'est le rapport taille-hanche chez la femme. Chez l'homme, un rapport anormal était trouvé chez 5%. L'HTA est doublé chez ceux qui ont un rapport élevé. Le diabète est multiplié par 3, l'hypercholestérolémie aussi. Et quand on regarde chez la femme, un rapport anormal est trouvé chez 40% des femmes avec les mêmes résultats. Ça veut dire une HTA doublée, un diabète multiplié par 3 ou 4 et une hypercholestérolémie plus importante. Et donc, le simple fait de faire cette mesure, vous voyez ici la droite de corrélation entre la glycémie et les mensurations, poids, tour de taille, tour de hanche, et sur la suivante, le cholestérol, l'IMC, tour de taille, tour de hanche, et vous voyez que les droites de corrélation sont statistiquement significatives. Voilà un geste simple que tout le monde peut faire lors de la consultation, qui prend 30 secondes, qui ne coûte absolument rien et qui vous renseigne déjà sur le risque cardiovasculaire de votre patient. Alors, quand on regarde l'impact des différents facteurs, l'athérosclérose résulte d'une mosaïque de facteurs. Et donc, il est très difficile de se baser sur les facteurs isolément. Chaque facteur a un poids différent. Les combinaisons sont infinies chez les patients et le risque ne correspond pas à la somme arithmétique. C'est pour ça qu'il est intéressant d'évaluer le risque individuel et global de chaque malade. Et pour cela, on utilise des calculateurs de risque. Le premier était Framingham, l'un des derniers ESCORE, et il y en a eu un certain nombre entre-temps. Que peut faire le facteur de risque ? Ben, il va vous donner une gradation entre risque faible, risque moyen et risque élevé. Prenons l'exemple d'un homme de 55 ans qui a une tension normale, un profil lipidique normal. Il va avoir un risque calculé de 5%, ce qui le met dans la zone basse. S'il a 70 ans, il est à 12% déjà dans le risque intermédiaire.
et regardez ce qui arrive quand on manipule un certain nombre de facteurs. Ici, je touche au bilan lipidique, ça veut dire le HDL est bas, les triglycérides sont élevés, ce qui est le profil que vous avez habituellement chez des patients en syndrome métabolique ou dans le diabète. Et vous voyez que le risque est déjà multiplié par 3, il passe de 5 à 15 ou de 12 à 32. Rajoutez encore l'hérédité familiale, le diabète, le tabagisme, et vous passez à des références qui se situent dans le haut risque. Et maintenant, si j'associe tous les facteurs, je passe de 5 à 50, ça veut dire que j'ai multiplié le risque par 10. Cet homme de 55 ans a un risque qui est le double d'un homme de 70 ans. Et donc, nous travaillons de manière intuitive sur nos patients. Nous évaluons le risque de manière globale, mais très souvent, nous nous trompons. Il y a eu des études qui ont été faites pour voir comment les médecins gradaient le risque, et on s'est rendu compte que 50% des patients étaient mal positionnés. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que quand vous avez un patient à risque très élevé, c'est évident, et vous allez le traiter de manière adéquate. Quand le patient est à risque faible, on va conseiller d'abord des modifications du comportement. Mais quand il est dans le risque intermédiaire, c'est là où la classification va permettre de le monter vers le haut risque, et d'adapter le traitement en fonction du risque, ou au contraire de baisser et d'éviter l'escalade thérapeutique qui est parfois abusive chez certains patients. SCORE est la référence en Europe. Il y a deux variantes avec un score pays du Nord, risque élevé, pays du Sud, risque faible. Il est adapté à la population, il est facile à utiliser. L'évaluation est objective et il prend en compte la nature multifactorielle. Par contre, il ne permet d'estimer que le décès et non pas le risque d'événement fatal ou non fatal. Il est adapté aux populations, mais pas aux ethnies. Et l'âge est limité à 65 ans. Voilà les deux diagrammes pour score à risque élevé et à risque faible. Vous voyez que le vert remonte progressivement dans le score à risque faible. Alors, on arrive à la classification des sujets en fonction du risque. Et on distingue quatre groupes, très haut risque, risque élevé, risque intermédiaire et risque faible. Le très haut risque est facile à identifier. C'est une atteinte cardiovasculaire documentée, ça veut dire des antécédents d'infarctus du myocarde, d'angioplastie, d'accident vasculaire cérébral, etc. C'est un diabète ancien avec lésion des organes cibles ou bien une atteinte rénale sévère, stade 3. Le haut risque, c'est un score entre 5 et 10%. Il y a un facteur de risque unique parfois, mais il est très sévère. Soit l'HTA très élevé, soit l'hypercholestérolémie familiale, ou bien un diabète ou une atteinte rénale modérée. Le groupe intermédiaire, le score est entre 1 et 5%. C'est là où beaucoup de nos sujets se trouvent. Et enfin, le score faible est inférieur à 1%. Et sur cette diapositive, vous voyez l'approche en fonction de la distribution des facteurs de risque et du score calculé. Alors, la prise en charge des patients à risque cardiovasculaire. Vous avez les trois pathologies qui sont à l'origine, ça veut dire l'hypertension, le diabète, la dyslipémie. Nous avons pour ces trois pathologies une approche thérapeutique efficace, une pharmacothérapie très riche. Par contre, quand on passe aux autres facteurs, ça veut dire le tabagisme, l'obésité, la sédentarité, etc., ce sont des problèmes qui sont difficiles à prendre en charge. Un, parce que le médecin n'est pas formé pour cette approche. Deux, parce qu'il n'y a pas de traitement qui va être prescrit de manière simple et qui va contrôler l'obésité ou permettre aux patients de ne pas fumer. Troisièmement, parce que ce sont ce qu'on appelle des maladies civilisationnelles. Le fumeur fume depuis 20, 25, 30 ans avant d'arriver chez vous et il est très difficile de lui dire du jour au lendemain, vous allez arrêter. Si vous prenez une femme avec un IMC de 35 ou 40, à part la chirurgie, vous n'arriverez pas à lui faire perdre le poids excessif qu'elle a.
Et donc, ce problème de prise en charge des facteurs du risque qui sont à l'origine du risque cardiovasculaire devrait être scindé en deux groupes. Les facteurs du haut, qui sont des facteurs médicaux pour lesquels nous avons une approche et qui devraient être pris en charge par le médecin à tous les niveaux, généraliste, spécialiste, etc. Et les facteurs civilisationnels qui, eux, relèvent d'une approche multidisciplinaire dans des centres de référence dans lequel vous aurez à la fois le nutritionniste, le psychologue, le tabacologue, etc., et qui permettent le suivi au long cours. Parce que pour modifier un comportement acquis depuis des décennies, il faut un cheminement, il faut du temps, il faut une répétition des consultations que le médecin praticien n'a pas le temps ni la possibilité de faire. Alors, quel est le rôle du médecin ? Bien sûr, de rechercher les facteurs de risque, de les évaluer et de faire la prise en charge adaptée. Que veut dire le mot adapté ? C'est que elle sera d'autant plus agressive que le risque est élevé. L'étude Value, qui date de quelques années, avait montré qu'entre le traitement efficace et le placebo, on voyait déjà une différence au bout d'un mois. Et donc, le fait de perdre du temps chez le sujet à risque, très élevé, va augmenter son risque de faire un accident. Par contre, quand on est dans le risque intermédiaire ou dans le risque bas, on peut donner des conseils et prendre le temps de recontrôler le patient. Je ne peux pas venir dans un congrès de diabétologie sans parler de la relation diabète et risque cardiovasculaire. On sait aujourd'hui de manière certaine qu'une des meilleures manières de prévenir le risque cardiovasculaire chez le diabétique, c'est une détection précoce du diabète et un traitement adapté précoce qui permet à moyen ou à long terme de diminuer le risque cardiovasculaire. Cela veut dire deux choses. Ça veut dire un dépistage chez les patients à risque. Ça veut dire aussi un dépistage chez la fratrie ou les ascendants. Je ne suis pas sûr que cette deuxième approche soit systématiquement pratiquée devant tout diabétique où on recherche systématiquement une glycémie légèrement élevée dans la zone du prédiabète chez les enfants ou chez les ascendants. Quand on a voulu discuter risque cardiovasculaire et diabète, la tendance logique et naturelle a été d'essayer d'imposer un contrôle glycémique strict. Cette tendance a été tentée avec deux résultats. Le premier, c'est qu'elle peut être efficace sur la microangiopathie. Le deuxième, c'est qu'elle expose à des risques d'hypoglycémie sévère qui eux-mêmes sont délétères. Et de ce fait, on est revenu de l'approche glycémie stricte pour contrôler le risque cardiovasculaire. On le contrôle plutôt par le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire habituels. Alors, il y a les nouvelles molécules, les nouveaux antidiabétiques oraux, bien qu'ils existent maintenant depuis un certain temps. Et vous vous souvenez de la glitazone qui avait montré un risque cardiovasculaire augmenté. Et donc, tout le problème de ces nouveaux antidiabétiques a été de s'assurer de la sécurité cardiovasculaire. Et donc, tous les essais qui ont été faits par la suite ont cherché à montrer soit la neutralité cardiovasculaire, soit une amélioration. Et par exemple, les inhibiteurs de la DPP-4 montrent une neutralité cardiovasculaire, alors que le liraglutide, les inhibiteurs de la SGLT2 ont montré une amélioration du risque cardiovasculaire avec régression des événements de 15 à 22%. Et donc, nous avons là, désolé pour les diapositives nous avons là de nouveaux médicaments qui ouvrent une nouvelle page dans le chapitre du traitement du diabétique et du risque cardiovasculaire et qui permettent non seulement d'obtenir un contrôle glycémique avec un risque d'hypoglycémie très nettement diminué ou absent et qui permettent de diminuer le risque cardiovasculaire, qui permettent aussi une néphroprotection. Et donc, vous voilà une diapositive, je crois que vous l'avez déjà vue tout à l'heure, qui montre ces nouveaux antidiabétiques oraux et les enquêtes qui sont faites à droite. Beaucoup d'entre elles ont donné leurs résultats, l'Emparec, le Leader, etc., avec des promesses très intéressantes. Reste à savoir maintenant s'il s'agit de phénomènes de classe ou s'il s'agit de phénomènes liés à des molécules spécifiques et de fournir
les limites de leur utilisation, de les faire rentrer dans le schéma habituel de prise en charge et surtout de régler le coût qui est multiplié par 10 par rapport aux antidiabétiques oraux classiques. Je vous remercie de votre attention. Thank you. Now we are. We will have a lecture from Professor Al Akhtar. Professor Al Akhtar was a vice president, IDF, served 2 years. Currently, he is the president of Diabetes in Asia Study Group. Dr. Professor Akhtar is going to talk about the progress in our understanding of type 2 DM. I thank you for the organizer, Professor Belkadir, and the other friends who has invited me, first of all, that this is my second visit to Morocco. And what I would like to talk, my apology for being late because my flight was delayed. I arrived actually 4 o'clock in the morning, so I barely woke up. So what we're going to discuss is what we understand in terms of diabetes, genetics, ethnicity, lifestyle, because all these factors are influencing that I will go through some of these issues and try to see. What we understand, if you look at this natural history of diabetes, then we have this genetic society, which we all probably need to feel options So there is definitely and with coming complications, and we have athletes, we have blindness and disability and death. We know the nature and go through issues that actually what influences these complicated issues. The first of all, we need to think of the fetal life, the risk or something called the issues that where should we start? If in terms of our prevention, where do we start? And then should we start here? Because we said that we should start before the onset of it. And where the diabetes actually the programming starts, that is discussions that I would like to take here. And here you have the fetal hormone nutritional video, and the corticoids, insulin, and glucose power, and just like malnutrition disease. And what we are talking about is what we are saying that these factors that in genetic and predisposition, because what we are moving to is epigenetics. Epigenetics actually is nothing other than the lifestyle, because the lifestyle is actually changing the expression of the genes for the development of the disease. So when you talk about lifestyle, actually you are talking about epigenetics. And then comes the fetal growth and also the programming and the birth injuries, and then you have the life course, of course. Then you say, so there generally we start the intervention during the life course, and which is often delayed. And this brings us to the family's lifestyle, socioeconomic status, education, training, and the family own healthcare behaviors and the adult health. But we see that there is a big difference here when we are talking about the fetal growth. We are talking about the malnutrition and this low birth rate, we are seeing that what we see in India, it is actually, we are not seeing any effect of malnutrition pregnancy in relation to delivering the low birth rate.
And this is something that we think, because those that we're talking about, that we are those who are actually at risk, that go back to low and increase risk for cardiometabolic risk. And those who are not, 2,500 grams, it seems to be, or Indian Asian population seems to be inappropriate. We are coming closer to 2,350 about. So, and this we need to examine for every population. Otherwise, we'll see that the effect that they're showing in the Caucasians, we are not finding the same associations in the Asians. This doesn't necessarily mean that nutrition doesn't have an effect, but it simply means that we are misclassifying the people. And then we have the genetic factors that we have seen that if you look at this picture on the see this for of type diabetes subject, and if you look at sensitivity, you see that when the body diseases, the sensitivity decreases. And it is, and if you look at the control population with the but back here, so I will show that those who have a family predisposition at a different age compared to those who are coming from normal families. And if you see these two, the differences that we see that between the controls and the offspring about gender, or your genetic determinants in the pathway in the pathogen, we know the environment we just talked, we have also just mentioned the genetic shared in that brings us to the family history or genetics. Life, health, and energy. This is a life. Actually, see that when we are talking about this, that excess energy and mitochondrial dysfunction is, which is actually inducing the obesity, is also affecting the altered gene protein expression, which will affect our insulin resistance, beta cell dysfunction, and identify all and genes. If you look at the research, it is actually not around 1.4, most important that when we are looking at the candidate genes in different populations, and not finding the same markers in different populations, it makes us all sick of the disease. But together, other factor, other environmental conditions, giving the we do not see the same candidate genes for the level of disease in the population. And then if you look at a systemic epidemiological system, and look at the way that you can see some red points, the red is making and which is transcription, genome, metabolism, and metagenome. So all these basic factors that we are born with, and then there comes the exposome that actually is influencing to develop for the expression of the genetic predisposition. So then we have genetic variants, we have the heritable epigenetics, and we have DNA methylation. And then what is falling in the middle is the obesity, aging, undiet, physical activity, which is doubling the type. So there's an interplay between those two. I'm not saying that genetic predisposition is not important. What I'm trying to say that with our lifestyle, we can change the expression of the gene for the developed diabetes. I will come back to, if you look at this, for example, this case, and if you see the genetic risk scores, that 1, 2, 3, 4, and you look at this lifestyle with the placebo and lifestyle intervention, you see that this genetic risk is decreased if we have the proper lifestyle intervention. And that thing. So in brief, when you talk that is, we have the genetic factors. End up with, there are, of course, there are some monogenic diabetes, which are different than the polygenic. I'm talking mainly of type 2, which is a polygenic. So that's what I said, that type 2 diabetes is in the middle. Then you have the increasing age, the central obesity, the
activity, we have diet and gestational diabetes. All these factors are actually is hanging together with diabetes. And I'm coming back to the towards diabetes in Asia. If you look at this instance, and the South West African Latinos and Asia, and South Asians that have a different insulin resistance compared to other places. So we are Asians, we are Jewish people, that Asians also have some. If you look at the South Asians, even any of diabetes. So that means it is not only our disposition is different, genetical predisposition, but that it makes us more susceptible to obesity. If you look at this diabetes in South Asia, we see that progression to diabetes in the immigrant, in the South Asians, that we see about 12 to 18%, whereas the progression to diabetes to the ethnic Europeans was about 5 to 11%. So what we see that there is a difference between the development of type 2 diabetes between those two, even though you give an intervention, there is a difference of 5 years. What we need to do, we need to start at an earlier or more intensive life intervention for the Asians called the patient. And then when the OCC is rising, it is also quite interesting to see that actually the age high, because the obesity is compared to obesity that is coming with when we are 50 years old. So then we have mistaken that plus education, base plus behavior, between 3.5 to 7.8, it actually increases. That is, has all been drawn to this modification of the genetics. Look at the top, the polyp, what we see the differences is the TT variance. It is the TT variance that is different from the control population. But when we do the lifestyle, if you look at the slides below, then we see that with the lifestyle differences, we see that TT variance is brought to the similar level in the intervention population. So that means that even the genetical modifications can be done, I mean, through its expression, equivalent to to those who are normal or without risk. This is also conventional diabetes, so we put genetic or genetic and with the part of genetic record, see no difference. It is now made equal. So that means that what we our understanding is we think that or even our top treatment does. I think this we have to move from there. When you have diabetes, until now we don't have any cure. So we need to think this way. So learning points that we're coming up because of the time constraint, I'm saying that type 2 diabetes is a common chronic disease with high individual and social cost, that we all agree. And behavioral, cultural, genetic, and environmental factors all contribute to diabetes risk and diabetes disparities. Family histories can be a valuable tool because it provides an insight into the behavioral, cultural, genetic, and environmental factors that determines the diabetes, and can be used to promote prevention and management. So we can start, for example, if you look at the high-risk population, this could be interesting way. And with advances in genomic technology, large number of specific genes polymorphism are being associated with type 2 diabetes, and we are identifying more and more. But genetics of diabetes are complex, and each polymorphism carries only a modest increase in relative risk, which we have seen. The environment may affect diabetes risk directly through the behaviors. And lifestyle modification can prevent diabetes or delay its incidence, including the treatment outcomes, even in those with a biological risk.
And in conclusion, what we say, the fetal maternal environment and inheritance is different in Asians compared to the Caucasians. That we should think. And therefore, I would ask, for example, do we know exactly that what we are trying to do in Asia, in Asian Indian subjects, to identify the, what is the actually, what should be the ideal weight gain during pregnancy? Because we think that this is related to, because if you look at the at all the studies that was done, then the mean birth weight of children by race, it seems that the Asians have lower birth weight compared to the others. Also in Asians, for example, if you look at the Vietnamese, for example, they have the lowest level of birth weight compared to the Asians, but they have the lowest risk for the development of diabetes. So low birth weight is not necessarily associated. If we identify who is actually increasing the risk for cardiometabolic risk, and that we need to, that is job in the because of that beginning in order to catch the growth both during pregnancy and during the in their childhood, that we have percentages in the children, which is, even though they are not overweight compared to others, but they are more body fat percentages because they are not supposed to have the equal weight gain in their in early life. And in behavior, including open care under economic and treatment programs and to develop educational programs to specific cultures are needed. You like to lead the discussion? We have very short time, actually, because we are very late, but I think we'll allow. So please, the speakers are, all the speakers are invited. Yes, merci pour ces présentations. J'ai deux questions. La première, pour sur l'insuline dans le diabète type. Ma question, donc, l'insulation de l'insuline ou avec une insuline résistante, ça dépend. Soit on calcule l'humain donc pour calculer l'insuline résistance et on voit si l'insuline résistante pour commencer par des doses beaucoup plus importantes. Deuxième chose, si on commence l'insulinothérapie en ambulatoire, c'est vrai, c'est petite dose, mais si c'est dans le milieu hospitalier, on peut commencer avec des doses beaucoup plus importantes. Et là, pour répondre à cette question, bon, il n'y a pas de réponse. Mais enfin, c'est complètement des petites doses, mais en milieu hospitalier, on peut aller avec beaucoup plus de doses, tout dépend si on est devant un sujet insulinoprive ou insulinorésistant. My second question to Abdul Basit. Actually, glad to hear from you that now WHO prepared a new kit for diabetic people with in refugees and disaster situation. Because the main issue actually we have today is how to get insulin and other medications for people in refugees camps and so on. It's very costly. And even when we get an approval to get insulin and medication for people from Life for a Child program, which is IDF program, to get it for refugees, it was very tough to get it to Lebanon or other countries. Maybe with WHO initiative and help of our IDF president and so on, we can get medication and insulin with very low cost, which is very, very, very interesting. I think this information will be very useful for us to continue our effort to help refugees today. Thank you. Would you please make the comments and the questions so short and the answers also short? Oui, professeur Jacquiol, je ne sais pas si le professeur Garbi est là, mais ce que je voulais dire à propos de l'insulinothérapie ne concerne pas seulement la technique, mais j'irai peut-être à contre-courant en dénonçant les abus de l'insulinothérapie dans le diabète de type 2. En effet, on voit très souvent, c'est tout au moins mon expérience, des patients qui sont obèses,
qui sont mal équilibrés et que l'on met sous insuline parce qu'ils ont des glycémies trop élevées. Le résultat, c'est qu'ils continuent à grossir allègrement sous insuline, que leur diabète ne s'équilibre pas mieux et que la solution ne passe pas par là. Elle passe, comme l'a dit le professeur Garbi, par des mesures hygiéno-diététiques et par le recours actuellement à des traitements qui peuvent être efficaces à la fois sur le poids et sur l'équilibre glycémique, les analogues du GLP-1. Et je voulais aussi dire, on n'en a pas parlé car ce n'était pas le sujet, que dans les obésités massives, la chirurgie bariatrique peut apporter un résultat intéressant dans l'évolution de ces diabètes lorsqu'il s'agit de sujets qui ont des indices de masse corporelle très importants, dépassant 35 ou 40. Voilà. Je voulais donc souligner ce point, allant un peu à contre-courant de l'excès d'insulinothérapie dans les diabètes de type 2. Bonjour, je vous remercie pour vos interventions. Permettez-moi, professeur, de rebondir pour vous dire qu'au Maroc, on ne peut malheureusement pas détacher notre prise en charge du contexte socio-économique et qu'on aimerait beaucoup, même parfois même la basale, on ne peut pas être prescrite chez des patients indigents et nous sommes encore à l'ère de la prémix, qui rend beaucoup de services. Ma question, c'était concernant, professeur Akhtar, about the implication of microbiota in metabolic disorders. Thank you. Yes, the implication of the gut microbiota in metabolic disorders. You didn't talk about it. Thank you. Could you please dire en français, quelqu'un le traduit. L'implication des dysbioses ou du microbiote dans l'apparition du diabète et dans les désordres métaboliques. Vous n'en avez pas parlé dans le diabète. Qu'en pensez-vous? Merci. Though I think microbiomes is becoming more and more important, and I think that what you are trying to refer to, yes, of course it will have an impact. But until now we haven't seen any specific studies where we can bring some results, because I'm presenting the results from different studies to bring up to this, and I haven't seen any. If there is anybody in the audience who can enlighten us, I haven't seen any specific studies on this so that I could give you a kind of a qualified answer. Thank you. I'll take the chance myself to shoot just very two small observations. One to Professor Garbi, who's not here, but I'd like to draw the attention about the issuing its declaration that in low-resource countries we should consider the choice of the medication which comes after metformin. We all agree that metformin should be the best choice, but the WHO has recently published a very important notice to the low-resource areas, and in most of our countries we are low-resource areas, to start by metformin, and then after metformin to go to sulfonylurea. And if these two combinations fail, you go to standard insulin. And this is just a note that we should not jump to the very expensive newly introduced medications, whether they are oral or the new insulins, without going into these simple steps which can be successful in, let's say, 80 or 90% of the population. The second short note is I would like to remind my friend, Professor Bassett, that among your plan for this
period in Sunday is promoting the expertise, the professional expertise in among the diabetes educators in our region. And this is going to be one of our regional plans to improve the expertise of the okay. Je remercie tout le monde. Je pense qu'on va faire une petite hypoglycémie si on reste un peu long. Et je rejoins la proposition de notre professeur Nasser Chalibi sur l'intérêt du dépistage au niveau de la famille des diabétiques. Parce que si on a quelque chose à reprendre, c'est au niveau des familles qu'il faut éduquer les enfants, surtout à l'école. Et devant tout cas dépisté, on doit faire appel à la famille pour l'aider à ne pas devenir un malade. Je pense que c'est la meilleure façon pour bien traiter chez les diabétiques. Et je vous remercie. I totally agree with Diabetes Day. This year's World Diabetes theme is Diabetes and Family. Actually, it's not just World Diabetes Day. Starting this year, we call it World Diabetes Month as well as World Diabetes Day to promote all these issues in months of November. And just shoot a little bit together with Naima. This is family intervention is becoming more and more important for prevention of diabetes, not only for prevention, but also for the treatment of diabetes. So family and peers are very important tool, as you have mentioned. Well, if so, I'd like to thank all the speakers and all the audience. Thank you very much, and see you in the next sessions.